Cette vidéo, alors cette vidéo concerne Anthem. J'ai pu ce week-end tester la démo du jeu et c'est juste une tuerie, j'ai adoré. Donc bon, c'était un peu laborieux pour pouvoir jouer, mais finalement, au bout du compte, j'ai pu réussir à capturer quelques gameplays de manière à pouvoir vous en faire profiter. Donc les javelins, c'est juste génial, la maniabilité des personnages est juste géniale. Il n'y a rien de plus à dire, ils sont fluides, ils se déplacent relativement vite. J'ai un petit peu galéré aussi pour le système de vol, mais bon, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, tout va bien. Donc la clé de ce jeu, hein, il faut le dire tout de suite, c'est le travail d'équipe et le fait de pouvoir jouer mobile. Il faut absolument pas rester sur place, vous allez le voir, je vais me faire dépouiller par la tourelle que je suis en train de travailler. Vous allez voir ça, elle me ponce ma vie à la vitesse de la lumière. Ça prend quelques secondes, vous allez voir. Donc les dégâts, vous voyez, là, en 2 secondes, elle m'a dépouillé. Donc au niveau de l'armement, j'ai une grenade, j'ai un lance-missile à tête chercheuse, j'ai une compétence qui me permet de réduire les dégâts que je subis. Au niveau de l'armement, j'ai un fusil d'assaut et un fusil de précision. Donc... par rapport à ça, comme je vous disais, le gameplay est génial. Les ennemis sont des sacs à PV et la clé du succès, c'est le travail d'équipe. Travail d'équipe et mobilité. Donc là, tout est fait sur les combos. Donc il faut vraiment réussir à faire un maximum de combos entre vos compétences et les compétences de vos alliés pour faire un maximum de dégâts. Il est clair et net que si vous êtes face à 5-6 ennemis, vous allez vous faire dépouiller rapidement. Surtout avec le stuff qu'on avait pour la démo, c'était pas le stuff le plus performant. On est limité donc avec du stuff 19 il me semble. Mais après voilà, du personnage n'excède pas le niveau 15. C'est bien, on va dire, c'est qu'une démo, donc il y a plein de choses qui sont pas effectives justement lors de la sortie du jeu, il y aura peu de changements. Mais le peu que j'en ai vu là, c'était vraiment génial quoi. Comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment le travail d'équipe, la clé du succès. Sachez aussi donc, qu'il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de kit de soins. Donc c'est vraiment tendu à certains moments. En fait, c'est les ennemis qui vont vous lâcher donc, des soins, tout simplement des petits kits de soins et des munitions. Et je me suis aperçu aussi au fur et à mesure que j'ai joué donc, justement à cette démo, que plus on fait de combos sur les ennemis, donc plus on leur inflige des dégâts, plus il y a de chances qu'ils aient des kits de santé et des munitions. Donc à titre d'information, il y a la démo ouverte qui aura lieu donc vendredi, donc cette semaine. Donc je vous conseille d'aller voir pour justement
bah vous faire votre propre idée là-dessus, parce que bon, un gameplay c'est bien, après c'est mon avis, ça veut pas dire que ça vous plaira. Donc je vous dis franchement, essayez cette démo qui sera ouverte au public dès vendredi. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est juste, moi personnellement j'ai trouvé ça, comme je dis, vraiment génial. Le gameplay d'une tuerie, les ennemis, c'est juste n'importe quoi, ils ont une mobilité, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, c'est une tuerie. Donc, profitez-en vendredi pour pouvoir y aller, donc ça dure tout le week-end. Vous voyez là, un combo, tout de suite on l'a buté vraiment très très vite. Donc n'hésitez pas à aller tester ça ce week-end. Là, ce qu'on est en train de faire comme mission, donc c'est une forteresse, un espèce de gros assaut avec donc des ennemis forcément, et donc il y aura un gros boss à la fin à affronter pour terminer la mission, et suite à ça donc on obtiendra du loot. Donc c'est pareil au niveau du loot, ça se passe donc en tuant des ennemis, vous pouvez récupérer donc des armes, des équipements, ce genre de choses. Et tout ce que vous allez récupérer, en fait, vous pourrez l'obtenir seulement à la fin de la mission. Quand vous n'aurez pas terminé la mission, vous n'obtiendrez aucun loot. Sachez aussi que durant la mission, admettons en cours de mission, vous devez quitter la partie. Sachez que toute l'XP que vous aurez accumulée du début de la mission jusqu'au moment où vous êtes parti, eh ben, elle sera conservée. Par contre, pour les loots de suite, c'est absolument pas la même chose. Vous perdrez donc le loot. Alors, est-ce qu'après ça reste que pour la démo et donc il n'y aura pas ce système là durant le jeu, mais j'en doute, étant donné que bon, vu la manière dont il faut jouer, je pense que ce système là restera vraiment quand il y aura le jeu. Je vous dis franchement, c'est vraiment un jeu basé sur la coop et le multijoueur, quoi. Il faut vraiment gagner. C'est juste compliqué, c'est pas impossible. Voilà, dans la démo, comme je vous ai dit, on est très très limité. Bon, avec le peu qu'on peut faire déjà, c'est vraiment pas mal. On peut passer un moment assez agréable, mais j'avoue que j'ai hâte vraiment d'essayer le jeu et de pouvoir vous faire profiter de davantage de vidéos depuis de setups complets pour le jeu. Donc là, comme vous voyez, l'ennemi est en train de se faire là, il a un point faible, donc son point faible c'est dangereux, il y a des bombes qu'il faut vraiment viser. Le top c'est d'avoir donc là moi en l'occurrence qui essaye d'attirer son attention de manière à mes collègues qui sont derrière puissent ajouter son point faible et puissent le descendre relativement rapidement. Que par rapport à ça, les ennemis comme je vous ai dit sont vraiment très 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 résistants, ils font beaucoup de dégâts. Vraiment y aller en équipe, et là tout ce que je lui envoie, il en a rien à foutre, il fait sa vie le bonhomme. Il y en a partout tout le temps, hein, et ils se prennent pas la tête à savoir si vous avez terminé le premier ou pas, ils viennent direct et ils vous assemblent. Même des fois ils vous visent alors qu'ils sont à l'autre bout de la map et que vous avez même pas encore percuté qu'il existe. Il y a dans le jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, ça va faire comme vous, voilà, à se comporter comme des joueurs, et dès qu'elle voit quelqu'un, bah, elle shoot. Donc là, donc, le système de réanimation, ça fonctionne comme ça. Donc, votre allié est mort, on va dire ça comme ça. Donc vous devez vous approcher de lui pour le réparer. À aucun moment, il y a un petit chrono pour avoir un temps de réapparition. Aller réanimer son allié, c'est pareil, quand vous devez réanimer un allié, faites en sorte que vos alliés puissent prendre l'aggro sur les mobs ou faire le ménage, c'est-à-dire à ce que vous puissiez réanimer vos alliés tranquillement. Ne prenez pas le risque d'aller réanimer votre allié à la vite, alors qu'il y a un ou deux mobs à côté de vous, ils peuvent vous passer votre barre de vie très 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 rapidement, et c'est un coup à crever, tous les deux, hein, tout simplement, pour vouloir aller aider votre allié et de crever du côté de lui. Donc vous aurez pas l'air fin, ça vous est arrivé. Donc voilà, et comme je vous ai dit, c'est vraiment du travail d'équipe. Le commando est génial, j'ai adoré. Donc après, moi personnellement, j'ai pas vu tout de suite qu'on pouvait essayer tous les javelins.
commencer avec le commando comme tout le monde et arriver donc au niveau 12, il me semble, 11 ou 12, on accède donc à un deuxième javelin. Donc, moi j'avais pris l'intercepteur qui est vraiment pas mal aussi. Je vais vous mettre un petit gameplay. Donc voilà, donc l'intercepteur. Alors c'est super simple. Moi j'ai adoré ce perso parce qu'il est rapide. Le déplacement est encore beaucoup plus rapide. Ça va tellement vite que si vous voulez, vous allez voir dans le gameplay, il y a des fois que je passe à travers et donc c'est un peu galère pour revenir sur ces points et continuer de le taper. Donc c'est le petit, je pense que c'est un coup à prendre, voilà, tout simplement. Adorer le gameplay de l'intercept. Donc là en l'occurrence, j'ai fait vraiment énormément. L'équipement, j'ai donc l'équipement de VRP qui me permet d'affaiblir la relique. L'escargue, j'ai quelque chose. Elle est instable. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue des murs, ça veut dire que c'est quand même, c'est ça? De toute évidence, oui. Le lanceur, il va falloir neutraliser cette relique. Charge de l'énergie que je donne électrique à l'ennemi que je les échos. C'est un peu compliqué, mais je pense que voilà, c'est un coup à prendre. J'adapte au personnage. C'est pour ça que j'avais repris les armes 4 sur tout et que j'avais bien accouché ces armes-là. Qui est plus sur les armes légères. Thank you.
faire le défi. Le niveau d'énergie baisse. Les amis parcours. Ces œufs prennent la relique. Les œufs étaient remplis d'acide. Ils ont pu utiliser la relique pour en faire des armes. Vérifions à la deuxième relique. Ta théorie mérite d'être mise à l'épreuve. Mal, hein, clairement. C'est un peu.
avec son petit gâchette. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Scar, freelancer.